Alors exigu, mais plutôt spacieux pour un mini 650. Toi qui as navigué sur pas mal de bateaux, pourquoi il est plus spacieux à l'intérieur, enfin, où les volumes sont plus intéressants à exploiter? Alors sur ce bateau, la structure en fait est très, très ouverte. On a des cloisons qui sont très ajourées, recouvertes de banquettes. Donc en fait, on va dire une grande partie du varangage est cachée par les banquettes. Et les cloisons principales, on appelle ça des porches, sont très ajourées. Donc en fait, on a l'impression d'avoir une ossature très fine et très légère. On a quasiment tout le volume du bateau, donc sur 3 mètres de large et sur 6 mètres 50 de long, puisqu'on peut aller de l'avant à l'arrière du bateau très facilement. On a intégré donc sur les banquettes, sur le côté, on a intégré un réceptacle pour mettre un seau. On a aussi des étagères sur les parties centrales au niveau du mât. On a des grandes étagères à l'arrière qui permettent de. Alors soit en croisière de ranger le matériel, soit en course effectivement de ce qu'on appelle de matosser, donc de mettre Voilà. du poids au bon endroit pour tout simplement avoir des meilleures performances. Et effectivement, la banquette avant, c'est quasiment pour avoir un lit de cette taille-là, il faudrait aller dans un bateau de croisière qui fait à peu près 11 mètres. 11 mètres, ouais. Bien, et eh ben écoute, sur ce magnifique bateau, on peut, si on fait un petit, comment dire, pas un travelling, mais rappelle-moi, un Panotage. petit panotage. Alors je te demande un petit panotage pour voir peut-être aussi. Alors ce bateau, a priori, repart avec le propriétaire du bateau, Boris Pelsy, qui est déjà qualifié, qui a fait ses 1000 milles, qui est un entrepreneur rochelais qui a vraiment contribué à cette victoire. Et là, on a un bateau qui s'appelle Challenge Espoir Mini Transat, avec un petit jeune bien connu à La Rochelle qui s'appelle Valentin Massu, et qui, a priori, repart sur un bateau 917, 17 comme la Charente-Maritime, pour la gagne aussi.